Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est coloriage. J'ai attaqué un nouveau coloriage de Clara Markova, voilà, du livre Fairy Celebration. donc je l'avais déjà attaqué là depuis plusieurs jours, mais j'avais pas encore eu le temps. Donc là j'avais déjà fait deux parties sur mon coloriage, mais j'avais pas encore eu le temps de monter la vidéo. Donc là c'est chose faite. Donc là je suis en train de faire ce colo avec mes crayons Polychromos de Faber-Castell. J'ai utilisé également l'encre or de Winsor & Newton et j'ai également utilisé le médium je ne sais plus, je vous le mets là, puis de toute façon vous le retrouvez en barre des d'infos, c'est le petit liquide transparent avec les paillettes, voilà, de Winsor et Newton également. Ça y est, j'ai oublié le nom. Hein. Donc pour l'instant, voilà ce que j'ai utilisé sur ces dessins. Donc vous verrez un moment vers la fin, l'encre or, je l'utilise avec une plume, pas une plume d'oiseau, hein, bien sûr, mais avec une plume pour écrire. Voilà, j'ai utilisé ça donc parce que là c'était des franges pour le coussin, donc je trouvais qu'avec le pinceau ça allait faire trop gros, donc j'ai utilisé cette plume, voilà, pour faire des traits très fins. J'aime beaucoup ce dessin. Bon, vous savez, il y a beaucoup de détails. Vous savez que dans les Clara Markova il y a énormément de détails à faire et ça me plaît. Donc il n'y a pas de souci. Là, il va encore y avoir plusieurs vidéos hein, sur ce colo, bien sûr. Je ne sais pas vous dire combien. Bon, peut-être encore deux, peut-être trois, mais je ne suis pas sûre. On verra comment, à la vitesse où je vais. Mais voilà. Donc j'espère que ce petit dessin, ce petit colo va vous plaire. Et puis c'est tout, voilà. alors, je vais laisser un petit message à Ludovic. Alors, je vais faire une vidéo dessus. J'ai fait oh là là, ça va mal aujourd'hui. Manga, voilà. Mais je n'ai pas filmé parce que du coup j'avais besoin de le faire en urgence. C'était pour ma petite fille. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer le résultat, enfin l'étape quand j'ai fait le dessin et l'étape quand je l'ai colorié. Elle m'avait demandé de faire un dessin pour un de ses cours à l'école. Donc je vous montrerai, mais Ludovic, promis, je referai un dessin en vidéo dès que j'ai 5 minutes. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas trop 5 minutes. Mais promis, je referai. Mais là, je ferai une vidéo complète sur un manga. Ah, j'ai un poing dans le dos depuis 2-3 jours. Je vous jure, on dirait qu'on met des coups de poignard dans le dos. Donc voilà. Donc là, vous aurez une petite vidéo en plus pour vous montrer ce manga que j'ai fait pour ma petite fille. Voilà. Allez, je vous laisse visionner cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage, à bientôt, bisous bisous.
Thank you.
Thank you.